Merci, Monsieur le Président, et je voudrais apporter mes félicitations à Madame la médiatrice pour le travail qu'elle effectue. Moi, je voulais vous interroger sur deux choses, sur l'accès aux documents et sur le problème des liens d'intérêt des experts de la Commission, notamment du traité Euratom. Sur l'accès aux documents, vous savez que la Commission avait refusé de donner les documents, que ce soit à Greenpeace ou à Pan-Europe, concernant le glyphosate, vous savez, cette substance active du Roundup. Et là-dessus, le tribunal, et notamment la Cour de justice européenne, avait dit, normalement, on doit donner l'accès à ces documents. Et la Commission avait fait appel. Et hier, c'est pour ça que ce rapport tombe à point, hier, la Cour de justice européenne a donné gain de cause aux associations. Mais ça montre bien que quand on vous demande, on vous saisit, on voudrait que vous ayez encore plus de pouvoir pour l'accès aux documents concernant à la fois la Commission, mais concernant aussi les agences comme l'EFSA. Le deuxième point, c'est sur les liens d'intérêt des experts. Je vous avais saisi, Madame la médiatrice, pour avoir le nom des experts et les liens d'intérêt des experts du traité Euratom qui avaient été à l'origine des limites maximum admissibles en cas d'accident nucléaire. J'ai obtenu les noms, mais pas les liens d'intérêt. Et vous m'avez répondu que c'est au groupe d'experts à décider s'ils donnent oui ou non les liens d'intérêt. Donc je vous demande vraiment, et je demande à la Commission, aux États, que vous ayez plus de pouvoir pour obliger à ce qu'on ait accès à ces informations. Merci. Ça,